PSG Fan TV, bonsoir à tous. C'était nos débuts en Coupe de la Ligue ce soir. On remporte le match 1-2 face à Orléans. Bah effectivement, hein, ça veut petit score 2-1. On n'a pas fait un match super facile non plus. Bon, il y a peut-être circonstances atténuantes. Hein. Le terrain déjà était un peu pourri, hein, faut l'avouer. Ça nous arrange pas. Hein. Ça arrange pas forcément les grosses équipes techniques. Nous, on aime bien forcément les terrains certes rapides, mais les beaux terrains quand même. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas eu un terrain excellentissime. Après, bon, l'équipe en elle-même, la compo. Bon, on a joué avec des seconds couteaux entre guillemets. Bon, c'était pas la grosse équipe. Voilà. Une défense assez sérieuse tout de même. Ah, effectivement, une défense assez sérieuse. Un peu chaotique, un peu sur la fin. On a vu là sur les dernières minutes là que c'était un peu chaotique. Mais bon, on tient le match quand même. Voilà. Au bout du compte, on gagne 2-1. Bon, on fait notre petit match quand même. Belle entrée de Moussa Diaby, qui a inscrit un but, un très beau but, il faut le dire. Ah, effectivement, hein, je crois qu'il y a deux petits ponts au passage. Bon, il s'arrache, il rentre. Il fait la différence, il s'arrache. C'est ce qu'on attend en fait hein, des joueurs comme ça, des Notiti qui rentrent comme ça et qui arrivent à faire une belle différence avec de la percussion, de la profondeur. Et il lâche pas le morceau. Voilà, c'est ce qu'on veut voir. Il reste debout. Ok, il fait un petit point avec un petit contre-favorable, mais malgré tout, il va au bout, il fait son petit tir et au bout du compte, il marque son but. Et puis après, il apporte quand même aussi au niveau du jeu. Hein. Moi, j'ai trouvé qu'il avait apporté aussi, voilà, au niveau de cet impact-là, il apporte au niveau du jeu. Enfin, pour finir avec ce match, qu'as-tu pensé de la performance de Cavani ce soir, malgré son but? Bon, mis à part son but, ouais. Écoute, bon, il était là, il n'a pas fait de grande différence. Bon, maintenant, ce qu'on attend de lui, c'est de marquer des buts. Bah, il marque son but, on est content. Et enfin, j'ai une question pour toi, qui est plus par rapport à l'actualité, la Ligue des Champions. Ouais. Donc, on va rencontrer en février Manchester United. Grosse affiche. Qu'en penses-tu? Bah écoute, ça, c'est une affiche rêvée aussi. C'est pour ça qu'on aime la Ligue des Champions, pour qu'on puisse avoir des matchs comme ça avec des. En plus, je crois que c'est la première fois qu'on rencontre Manchester United en Ligue des Champions. On n'avait jamais fait avant. On va voir ce que ça va donner. Actuellement, c'est vrai qu'ils sont pas bien. Voilà. Mourinho limogé aussi. Ça aurait été bien qu'on les prenne maintenant. On verra bien dans 2 mois ou 3 mois. Après, c'est dans 3 mois hein, le prochain match. Bon, je pense que ce sera un autre Manchester United. Et justement, au contraire, c'est bien parce que ça va aussi créer un peu de combat. Comme on a pu voir aussi avec Liverpool. Naples aussi, on a fait un très bon match à Naples en termes d'intensité et d'adversité. Et là, je pense qu'avec Manchester United, en espérant, j'espère pour eux aussi, hein, qu'ils se relèvent. Pour qu'on puisse avoir aussi 2 bons matchs aller-retour. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on les prend en retour. Donc, on les aura au parc en retour. Donc, ça va être des bons matchs. C'est l'avantage d'avoir fini premier. Voilà, c'est ça, l'avantage d'avoir fini premier. Et puis bon, après, c'est vrai que... Mais malgré tout, je pense qu'on va passer. Voilà, on est quand même supérieur. Ils ont 2 ou 3 mois pour se relever. Mais je pense qu'on est quand même devant. Voilà, je m'avance un peu peut-être, hein, parce que le football ça change vite, on l'a vu, hein, avec Mourinho qui part en 2 jours, on l'a vu, il est parti. Mais je pense qu'on est devant. Merci à toi. Je t'en prie, merci.